Les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête des bureaux de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Nous avons commencé en effet avec AAP, PEP, AAP, et Tony Campo. Nous avons ensuite enchaîné avec BDPS, qui devrait être réussi en premier lieu, parce que c'est la première force de l'Union sacrée, c'est la première force tout simplement au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons réussi ensuite AB 50, le président Julien Paloukou. Et nous voici aujourd'hui terminés. Je crois que nous avons encore une personnalité à recevoir, elle est déjà là. Mais à ce stade-ci, je voudrais vous dire, demander au rapporteur de vous donner les chiffres des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi, être des hommes d'État qui sont capables et qui sont patriotiques d'oublier leurs intérêts personnels et privilégier l'intérêt général. Notre peuple, je ne reviendrai pas sur la question à tout moment, qui souffre non seulement par la guerre nous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Et tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le remercie de m'avoir reçu hier et accepté mes propositions et me donner des orientations pour finaliser cette démarche. Demain, nous poursuivons avec d'autres regroupements, pas des moindres. Jusque-là, nous n'avons pas encore réussi les regroupements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Malkonde, les regroupements du président du Sénat honoraire de Boussé Bahati, les regroupements de Jean-Pierre Bemba, les regroupements de Fifi Masuka. Je vais vous en citer une dizaine, c'est pour vous dire que ça sera extraordinaire la moisson, et ça, c'est la main de Dieu. Nous disons merci à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont en train effectivement de redorer non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité des députés nationaux qui méritent le respect. Merci à tous. Les 10 ou les 11, mais le programme doit nous être transféré, dit, doit nous être déposé 2 jours avant on le produit par les bureaux des rapporteurs. De telle sorte que chaque député national puisse venir récupérer sa copie et sa lampe pour l'enrichir, le critiquer positivement et au besoin l'enrichir. Parce que chaque député est élu dans un fief et tout. Il n'est pas interdit de parler des autres concrets de la République parce que ici, ce n'est pas ces débats démocratiques que nous allons enrichir le programme de Madame la Première. Natondi, Botondi, Yami Balé, pas mon côté à Boka, Oyani Maki, la Boka Lobi, Lo, Obama Koutana, na, ma député, Yaba, regroupement politique Nyosu. Ton Nato Mandara IDPS, le Bango Baza est mêlé, ton Mandaki, na, AP, A, AP, Oyatoni Kamu. Ici, AB50, il y a Julien Paloukou. Donc, qui, la Baninga, il y a AA et UNC, avec en 2018. Dans Ngonga Oyo, aussi, comme il y a des députés, et bien, le corps rapporteur, le professeur Mino, le professeur Mino, il y a un gars qui a été en
la gaz de Mandiko pour le bar et à 200. Alors que dans tous les moitiés, il y a des mouvements politiques. Quand ils arrivent, miracle, dans un bout de ça, les bars, la vie merci, Mingi, la bande de Molangaï, la mine de la bande de l'idée, pour ça, la confiance. La démarche où on a décidé pour ça, là, la zone ici, on va le baka, l'Olendo, il y a des députés. La tomate, ça a été. Peuple, la mission, la députée, pas à fond. L'ensemble des députés reçus, ça nous donne 190 députés, ce qui est un chiffre important. Ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il faudra que vous, la presse, vous puissiez nous aider à ce qu'on ne véhicule pas des fake news, dire que les députés demanderaient de l'argent. Non. Les députés et le représentant du souverain primaire. Donc il parle au nom du peuple. Nous savons que nous avons la mission d'approuver le programme du gouvernement et d'investir le gouvernement. Donc le gouvernement a été nommé par le président de la République. Nous attendons le dépôt de son programme qui sera soumis à la discussion pour voir la cohérence et comme tous les députés l'ont dit, ils vont l'investir parce que c'est le programme de la majorité, c'est le gouvernement de la majorité. Donc nous devons rester dans un esprit républicain. Notre pays, comme le président l'a dit, a d'énormes défis, des défis sécuritaires, des défis de pauvreté, des défis de construction, des infrastructures. Nous ne pouvons pas nous permettre d'inventer des crises institutionnelles fictives. Nous allons travailler et les députés sont déterminés à travailler pour que ce pays retrouve son état de noblesse. Premier ministre dans le gouvernement Naïe, Senga Kitoukoutana n'a pas député Banso, Bonatoye Ba, Degeni Nito, Salamoussalamouna, parce que c'est une mission constitutionnelle, Oyo, constitution et PSI Parlement, il y a quoi prouver. Programme topé l'inaka ya gouvernement, mais qu'on vende ça gouvernement, qu'on pèse à Bango, pour qu'on s'y prouve à Bandamoussala na Yango. Ils ont dit, mission toujours na Katia Mobé Kolikondi, ils ont mission ya pour sombater, ya pour tekater, pour en aller à Touaza pour Kouma. Il faut bien que Mbokabaye ba été Moussala à l'État, ils ont Moussala Moko, mon aîné, ou ils ont intérêt général. Les députés ont été en train de se faire. Les députés ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Le peuple ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Donc, les députés ont été en train de se faire. Parce que, quand même, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de programmer le gouvernement. Ils ont été en train de moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, et je crois que les provinces où je suis un peu gouvernementaire, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, mais tout le monde est un peu plus de temps, je suis 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 un peu plus de dans la tine, il y a Masolo, tout ça. Donc, il y a un groupe de Minène, un groupe de Papa Bahati, FDC, un groupe de président Jean-Pierre Bemba, MLC, un groupe de président d'autorité morale Sam Kondé, un groupe de président Mbosso, ACRD, un groupe de Banso, jusqu'à ce que tout le monde soit groupe d'union soit assemblé. Donc, sous le président, vous avez une opposition. L'opposition, vous pouvez faire partie de l'Assemblée. Vous avez une opposition, vous avez une opposition. Donc, vous avez une opposition, vous avez une opposition.
kuzungu sambuka na bisu simate kuluba teka tuwazo luka mbongo mutoko yu luka mbongo na musalo wa itali mengo ya peplete dala ya kuna Nous avons répondu positivement à travers la délégation conduite par le président du Redoublement, son Excellence Didier Mazenga Mukanzu, à l'invitation de l'ancien par l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'initiative qu'il a prise pour consulter les différents redoublements et consulter également les honorables députés en prévision de l'investiture du gouvernement de la République dirigée par la Première ministre, Mme Judith Suminwa-Tumeka. C'est dans ce cadre. Et donc, pour le Parti Mouviste Unifié et le regroupement AAC Palou, il n'y a pas de complications. Nos députés voteront positivement pour l'investiture du gouvernement parce que les programmes que Madame va exécuter, traduit la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision centrée sur l'amélioration des conditions d'existence des citoyens congolais. Et donc nous n'avons pas à bloquer Madame Sumina, parce que bloquer la Première ministre, c'est bloquer également l'opérationnalisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous avons, à travers le Président du regroupement Didier Mazenga Mukanzu, confirmé au président Vital Kamerhe ainsi qu'aux membres du bureau qui l'accompagnaient notre disponibilité et notre détermination d'accompagner, pas tout simplement avec l'investiture à travers le député, mais également avec une mobilisation tous azimuts de militantes et militants du Parti Mouviste Unifié pour accompagner les gouvernements, car la légitimité du gouvernement ne se limite pas tout simplement au palais du peuple. Mais cette légitimité doit également être sentie à travers l'adhésion que accorderait la population à ce gouvernement. Merci. Merci beaucoup. À l'Est, et que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Est-ce qu'il y a déjà une date fixée? Oui, en fait, nous attendons que le gouvernement dépose son programme à l'Assemblée nationale et que par la suite, nous puissions prendre part à ce programme, le critiquer et aussi l'investir, bien évidemment. Nous savons qu'avant la rentrée, avant que la session ne prenne fin le 15, nous aurons déjà investi ce gouvernement. Merci. Honorable Janine Kavira, présidente du regroupement AB50 avec en 2018. Merci. 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 Nous a invités dans le cadre de notre parti, parce que nous sommes des députés élus, des députés de l'UDPS, élus sur la liste de l'UDPS. Donc il nous a invités pour nous parler de l'investiture du gouvernement à Judith Suminwa, qui doit intervenir incessamment. Voilà ce qui a fait l'objet de notre rencontre avec le président du bureau de l'Assemblée nationale.
cette investiture du gouvernement est boycottée par un certain nombre de députés qui sont également membres de l'Union Sacrée. Vous, les députés de l'IDPS, qu'en est-il votre cas? Non. Non, comment, qui vous a dit que c'est boycotté? C'est pas boycotté, ce que vous pouvez me prouver, ce que vous dites là. C'est pas boycotté, certainement qu'il y a eu des frustrations. Hein? Il y a certains députés ou alors certains regroupements qui se disent être frustrés. Mais nous, le gouvernement, vous savez que la première ministre, elle est vraiment un produit de nos entrailles. Elle est de l'UDPS. Moi, je suis de l'UDPS. Nous sommes de l'UDPS. Nous ne pouvons qu'appuyer le gouvernement de l'UDPS. C'est notre gouvernement. Nous ne sommes pas frustrés. Nous devons, c'est-à-dire, il y a eu peut-être des petites frustrations, mais quand même, on essaie de passer en revue tout cela. Nous devons investir le gouvernement Judith dans les jours qui viennent. Quel message que vous pouvez lancer à ceux qui ont des frustrations, qui n'ont pas été satisfaits de la compréhension de manière... Nous leur demandons de nous emboîter le pas. On ne peut pas corriger en un coup. C'est au fur et à mesure, s'il y a des frustrations, elles vont trouver des réponses au fur et à mesure, qui viennent ensemble, parce que la nation congolaise, le peuple congolais nous attend. Ils attendent parce que vous savez que le gouvernement a trop dirait d'être installé, alors d'être investi. Si nous y donnons, il faut encore céder à des frustrations, céder à des retards, ça va créer des problèmes multiples et surtout que la population est en train d'attendre l'action gouvernementale. Vous savez ce qui se passe à l'est du pays, il y a la guerre et si le gouvernement n'est pas installé, si le gouvernement n'est pas investi, est-ce que vous comprenez toutes les conséquences qui vont surgir à ce moment-là? Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à l'action, nous invitons que tous les députés viennent nous emboîter le pas pour qu'on puisse investir le gouvernement. Et je pense, je sais que tous ils sont là, ils sont issus des différentes bases et la base a besoin de l'action gouvernementale. Or, il n'y a pas d'action gouvernementale sans l'investiture du gouvernement. Nous les invitons vraiment à venir aussi ensemble les jours que le bureau va nous inviter pour l'investiture du gouvernement, qui viennent certainement après avoir lu le programme du gouvernement, qui viennent investir ce gouvernement. Vous pouvez aussi appeler vos collègues de votre province de vous rejoindre parce que oui, c'est les caucus. Le caucus du Sud Kivu, c'est ça les collègues, parce que moi je suis élu du territoire de Kabare dans le Sud Kivu. C'est le caucus, j'invite le caucus du Sud Kivu à emboîter le pas, à venir investir le gouvernement. Nous voulons qu'ils viennent, qu'ils nous emboîtent le pas, parce que notre peuple a besoin des actions du gouvernement et ces actions ne vont intervenir qu'après l'investiture du gouvernement. Vous avez dit que vous n'allez pas... Il n'y en aura pas. Nous devons sensibiliser nos collègues. Ils sont là, il faut qu'ils viennent. Par force ou bien... Non, nous devons... Quand on ne sensibilise pas par force. Hein? Vous savez, un député, c'est un honorable. On ne peut pas le forcer. Mais on lui montre la nécessité d'investir le gouvernement, la nécessité du travail que le gouvernement est appelé à faire pour la nation. Et il sera convaincu parce qu'il a été élu par une base. Et cette base attend l'investiture du gouvernement. Cette base attend les actions du gouvernement. Alors, comment le gouvernement, si il n'est pas, le gouvernement n'est pas investi, comment cette base verra la réponse à ses préoccupations tant que le gouvernement n'est pas investi? C'est en investissant le gouvernement que le gouvernement va répondre aux attentes de la population. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qui n'est pas été demandé? Vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce qu'on n'a pas demandé ici? Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui. Je vous demande tous d'appuyer le gouvernement Judith Suminwa, que toute la population, surtout vous les gens de médias, de pouvoir sensibiliser la population pour qu'elle vienne en aide, c'est-à-dire parce que sans la population, c'est la population qui donne la force, c'est la population qui contribue aux charges de l'État. Alors nous vous demandons de sensibiliser la population pour qu'elle puisse contribuer vraiment à l'action du gouvernement de Madame Judith Suminwa pour que notre pays puisse répondre. Baleke Mugabo Jean, je suis élu de Kabare dans le Sud Kivu. Merci.